Bonjour, deuxième essai de ce direct. Je vous disais que j'ai eu l'élan de vous faire une vidéo ce matin. Bonjour Johanna. Par rapport à mon post d'hier, vous avez été beaucoup à m'écrire pour m'envoyer plein de super choses, de belles ondes, de conseils, tout ça. Par rapport à mon partage sur ce moment où j'avais écrit, où c'était difficile avec mes filles. Ça va, c'est apaisé en ce moment, mais je sais que ça pourrait revenir. Bon bref, tout ça pour vous dire que j'ai eu l'élan ce matin de vous faire un partage au sujet de la magie. Pour passer une journée magique. Alors, quel rapport avec ce que je vous ai dit hier? Ah, c'est drôle. Je vous dis ça et j'ai la voix qui se casse. Ok, donc. On respire, on demande à clarifier la voix et les intentions. Voilà. Quel rapport avec ce que je vous ai dit hier? Ben simplement que je vais vous inviter ce matin à faire le choix. À faire le choix de passer une journée magique. Donc ça inclut la vie avec les enfants, ça inclut la vie pro, ça inclut tout ce qu'on peut imaginer. Je ne vais pas vous parler de la magie créatrice. On a fait un live avec Marie, créatrice de Mindset, il y a peu de temps sur le sujet. Donc je ne vais pas vous redire que c'est vraiment oser aller au-delà des choses, oser en fait aller au-delà de la réalité en gardant la conscience que tout est possible en fait. Simplement, moi je vais vous inviter à être capable à recevoir cette magie en fait. La magie créatrice, tout ça, c'est bien joli, sauf que si on se met pas dans les conditions pour la recevoir, ben ça sert à rien du tout. On peut pas la toucher, on peut pas l'inviter dans sa vie, on peut pas la ressentir, on peut pas l'infuser. Je vais faire une petite transmission là-dessus, je sais pas, ça va être un petit soin ou une guidance ou j'en sais rien, j'ai pris mes koshis et mon tambour, on va voir hein, ce qui vient, ok? Donc je vous invite à vous poser avec moi si vous avez envie de vous prendre une bougie, un peu d'encens, vous mettre dehors. Voilà, on va juste partir dans un petit voyage. Je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas combien de temps. Voilà, je veux juste vous ouvrir à ça. Et ça va passer par la douceur. Parce que la douceur, c'est toujours la clé en fait de ça. Pour s'ouvrir à la magie, pour inviter la magie dans sa vie, pour la créer, il faut y être ouvert. Et pour y être ouvert, il faut s'aimer, bingo! Première chose à faire, et ça rejoint aussi en ce sens mon partage d'hier, c'est que même quand on fait de la merde avec ses enfants, ou au travail, ou dans la vie, ou avec son amoureux, ou avec soi-même, et ben, il faut continuer à s'envoyer beaucoup d'amour et à s'aimer beaucoup, beaucoup. Donc, je pense que c'est un soin qui va travailler beaucoup sur le chakra cœur. Voilà. Vous êtes prête? On peut y aller? Est-ce que vous avez des questions avant ça? J'aurais voulu mettre mes écouteurs, mais ils ne marchent plus, ça me saoule. J'ai des écouteurs Bluetooth qui ne marchent plus. Donc j'espère que le son sera bon. Allez, on y va. Donc on va d'abord commencer par baisser les barrières. Je ne vous réexplique pas pourquoi. J'ai des vidéos sur mon site, sur mon feed, qui expliquent. Si vous avez des questions, vous allez voir dessus, vous m'en allez poser après. Là, on y va. Donc, je vous invite à visualiser que vous baissez toutes les barrières autour de vous pour être capable de tout recevoir et donc de recevoir aussi la magie à 2000%. Regardez le beau soleil qu'il y a derrière là. Allez, on ferme les yeux, on visualise que toutes les barrières devant soi, on les fait tomber. Celles qui nous empêchent d'avancer, celles qui sont derrière nous, qui nous freinent et qui nous retiennent, on les fait tomber aussi, comme des grands murs qui s'effondreraient avec fracas ou doucement, simplement par votre choix. Aujourd'hui, je vais vous parler de choix, vous choisir en premier, choisir la magie, choisir la douceur, choisir que c'est facile, hein. Et si plus rien n'était difficile, juste facile, que faudrait-il changer pour ça? Tout ce qui ne permet pas cela, on détruit, on décrée maintenant. Right, wrong, good and bad, pod and pock, online, shorts, boys and beyonds. Allez, baissez également les barrières sur les côtés, celles qui vous coincent, qui vous empêchent de prendre votre place. Allez, on baisse tout ça. Et si vous n'arrivez pas à baisser toutes les barrières, c'est ok, vous faites de votre mieux.
Vous faites de votre mieux. Si vous aviez une chose à retenir aujourd'hui de cette vidéo, c'est que vous faites de votre mieux. Compassion, amour, détente. On se détend le string énergétique. On fait de son mieux. Parfois, on fait de la merde, mais c'est quand même notre mieux. Et c'est ok, il faut passer par là. Alors, on a baissé les barrières devant, derrière, sur les côtés et regardez autour de vous. Je vous demande de vous poser 2 secondes pour regarder autour de vous. Derrière les barrières, qu'est-ce qu'il y a? Regardez cet espace. Comment est-il? Il n'est pas forcément hyper beau, hyper lumineux. Peut-être qu'il est, il vous laisse ni chaud ni froid, peut-être qu'il vous déçoit, mais c'est ok. Observez-le et placez-vous dedans parce que c'est un univers de possibilités illimitées. C'est un univers de ouf, de miracle. Quand on n'est plus dans ces barrières, on accède au beyond, au-delà. C'est ça, au-delà. Et la magie, c'est être capable d'aller au-delà pour aller la chercher. Et la faire créer une vie au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, placez-vous dans cet espace. Et continuez à baisser les barrières. On va aller les baisser au-dessus. Là, pour le recevoir, c'est hyper important. Donc, baissez les barrières au-dessus de vous. Baissez-les. Enlevez-moi tout ça. Ce sont celles qui empêchent de recevoir, mais aussi celles qui vous empêchent de grandir, de vous élever. C'est l'heure de vous élever, mesdemoiselles, mesdames. Vous êtes immenses, vous êtes des êtres énergétiques illimités, je m'inclus, nous sommes des êtres énergétiques illimités, alors merde, maintenant, baissons les barrières et grandissons, choisissez aujourd'hui de grandir, d'être plus grande que ce que vous étiez hier. Est-ce que vous voulez bien faire ce choix? Aujourd'hui, je choisis d'être plus grande que ce que j'étais hier. Dites ça, aujourd'hui, je choisis d'être plus grande que ce que j'étais hier. Tout ce qui empêche cela, je détruis et je décrée. Et je déblaye pour vous, right, wrong, good and bad, but I'm focal, nine shots, poison, beyond. Allez, on grandit, vous êtes immense. Allez toucher le ciel, allez toucher les étoiles, allez toucher cette nouvelle lune. Faites ce que vous voulez, allez où vous voulez, grandissez-vous. Et baissez également les barrières sous vos pieds. Voilà, là c'est pour s'ancrer, c'est... On est d'être de matière, hein. C'est bien joli d'aller chercher la magie. Si c'est pas pour la mettre dans la matière, dans la densité, dans les actes, dans la vie concrète, ça sert à rien. On est là pour vivre, pour être, pour expérimenter, pour toucher. Vous voyez cet arbre là, c'est un être énergétique, c'est génial, mais je le touche. Voilà, allez, on baisse les barrières à ça, on baisse les barrières sous les pieds et on va s'ancrer. On va faire un petit exercice d'ancrage. Maintenant vous baissez les barrières à l'intérieur, dans le cœur. Allez, on baisse les barrières dans le cœur. Je sais, c'est pas très facile, mais pour recevoir la magie, pour la créer, pour se faire passer en premier, pour s'apporter cette douceur, cette compassion dont je vous parlais, l'ouverture du cœur, c'est juste primordial, primordial, primordial. Alors, on baisse les barrières au max. Partout où notre cœur a souffert ou souffre encore, choisissons de l'ouvrir. On choisit de l'ouvrir, on pose l'intention pour aujourd'hui de vivre une journée magique, d'ouvrir le cœur au max. Ça passe par là. Alors, on ouvre le cœur au maximum. On l'ouvre, on baisse les barrières. S'il reste des barrières, c'est pas grave. Et là, je vous demande de prendre un temps également pour observer l'espace derrière ces barrières du cœur. Investissez cet espace derrière les barrières du cœur. L'espace du cœur. Votre espace du cœur, c'est l'espace de votre âme. C'est rien que ça. C'est juste l'espace de votre âme. L'espace... de là où vous vibrez. Tout est plus aligné, tout est plus beau, tout est plus centré, tout est plus sensé. Le beyond, il est là aussi. Il se crée là, là et dans le ventre. Puis un peu dans la tête aussi, parce que le mental, il sert. Donc voilà. Placez-vous dans cet espace aussi pour ce soin, pour cette journée, pour la vie tout entière. Ah, il y a une araignée sur mon tambour, la tisseuse. Marie qui est là pour nous en parler, celle qui fait les liens, celle qui arrive à démêler les situations un peu inextricables, celle qui nous parle de transgénérationnel dans cette période qui mène à sa win, c'est très important. Baisser les barrières aussi dans la tête maintenant. Voilà, alors là on a coutume de dire le mental, blablabla. Demandez à votre mental d'être au service de votre cœur, c'est aussi simple que ça. On demande au mental, on baisse les barrières, on demande au mental d'être au service du cœur. Hop,
pouvez même lui faire signer un contrat pour l'éternité, pour toute la vie. Toute la force, la perspicacité, toute la puissance que le mental peut dégager au service du cœur. Ça devient une force incommensurable, comme celle du cœur. Baissez les barrières dans votre tête, ouvrez. Sentez le vide dans la tête, ça fait du bien. Et baissez les barrières dans le ventre. On baisse les barrières dans le ventre. On baisse les barrières dans le ventre. Ah, c'est là qu'il y a notre puissance, notre créativité, notre création, tout. Notre force, notre vie, notre feu, notre sacré. Sacré. Voilà. Ventre, cœur, tête. Pour créer la magie. Décider de vivre une journée magique et s'aimer. Maintenant, vous allez vous ancrer, visualiser votre utérus. Vous mettre les mains comme ça. Et si vous êtes un homme, vous avez aussi un utérus énergétique. D'ailleurs, au début, quand dans les, je crois, 3 premiers mois de la grossesse, 3 peut-être, on a les deux organes. Donc, vous avez eu un utérus à un moment. Voilà. Visualisez votre utérus comme un arbre et vous faites descendre des racines de cet arbre utérus. À travers vos jambes, elles vont dans la terre, elles vont loin des racines. Elles vont chercher la lumière dans le sombre. Elles s'accrochent, elles sont solides. Dans ces moments, comme ce moment que je vous partage où j'ai perdu pied avec mes filles, si on est ancré dans son cœur et dans ses pieds, dans sa terre, dans son ventre, on est là et on revient. La colère, elle descend dans la terre. Allez, les racines, elles descendent, elles vont jusqu'au cœur de la terre. Elles vont se lever au cœur de la terre. C'est un cœur qui va ressentir, le voyez, le vivez, le touchez, le vibrez-le. Et puis vous allez faire remonter ces énergies à travers la respiration. Les énergies du cœur de la terre, vous les faites remonter à travers vos racines en inspirant vos jambes et vous les déposez. Vous les soufflez, les expirez dans votre ventre. Voilà. Et vous faites pareil. Quelques fois. Faire la même chose dans l'autre sens. Deux branches qui remontent de votre arbre utérus, aux trompes, qui passent à travers le plexus, la poitrine, la tête, les épaules, qui montent au-dessus de votre tête. Comme ces branches vont toucher le ciel au-dessus de moi, elles se multiplient, il y a des feuilles, des fruits, des fleurs qui se créent, qui vont toucher le ciel et qui vont vous amener les énergies du ciel à travers ces branches. Les énergies du ciel descendent dans votre corps. Sentez-les. Sentez comme tout ça vous nettoie, comme tout ça vous prépare à recevoir. Comme un petit coup de karcher lumineux, cosmique. Voilà. Et vous donc, à l'inspiration, vous faites remonter les énergies de la terre dans vos racines, dans votre corps, dans vos branches qui se déversent dans le ciel, à l'expiration dans le ciel qui descendent dans votre corps, vos racines et la terre. Voilà. Faites-vous canal, vous êtes un canal de lumière, vous êtes un pilier de lumière, comme tout un chacun. Investissez cette posture, ok? Investissez cette posture de canal de lumière. Il n'y a pas de raison, vous recevez autant de lumière que tout le monde, vous émettez autant de lumière que tout le monde, ok? Alors respirez là, comme ça. Entre terre et ciel, sentez comme vous êtes ancré, aligné. Guéri, purifié. Revigoré. Profitez de ces inspirations et de ces expirations. Et puis expansez-vous depuis là. Parce que vous êtes des êtres énergétiques illimités. Vous suivez-moi. Je vous prends par la main, c'est très très facile, il n'y a rien qui vous bloque. Vous faites grandir vos énergies à la taille de la pièce où vous êtes. Et on va très vite, très loin, tous ensemble. Comme si on diffusait notre lumière et notre amour autour de nous, dans la région, la France, l'Europe et le monde. Diffusez vos énergies sur le monde, expansez-vous, grandissez-vous encore, jusqu'à l'intérieur de la Terre. Allez offrir à la Terre les énergies, vos énergies, comme elle vous a offert les siennes il y a quelques minutes. Avancez comme ça.
Et continuez, quoi. Grandissez, grandissez, touchez le ciel, allez jusqu'à la lune. Toujours dans des énergies de nouvelle lune, allez jusqu'au soleil qui purifie, allez voir toutes ces planètes du système solaire, la galaxie, toutes les galaxies, tout l'univers. Et continuez comme ça. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Et maintenant, je vais vous inviter à vous faire un câlin. Pour recevoir les énergies, il faut être ouvert et il faut ouvrir le cœur. Alors, vous allez vous prendre dans les bras, simplement. Vous serrez dans les bras comme ça. Se serre fort. Faites-vous un câlin comme vous feriez un câlin à votre fils ou à votre fille. Avec autant d'amour déployé, avec le cœur autant ouvert. Embrassez-vous, câlinez-vous, cajolez-vous. Ouvrez le cœur, emmenez-vous de l'amour. Sentez comme c'est bon de se blottir au creux de soi. Applaudissez-vous au creux de vous. Respirez là. Aimez-vous. Pour bien aimer les autres, il faut s'aimer soi-même en premier. C'est l'une des grandes leçons aussi de ces périodes que j'ai traversées où c'était si dur avec mes filles. Revenir à soi, s'amener directement de l'amour, se faire un câlin, leur faire un câlin, se faire un câlin. Mettre de l'amour sur tout ça. Ça apaise tout. Ça ouvre tout le champ des possibles. Ça change tout dans l'énergie, dans la vibration, dans la fréquence et donc dans ce que vous créez. Déposez-vous au creux de vous. Profitez de ce moment. Et respirez. Sentez comme c'est bon de vous faire un câlin. Comme c'est indispensable parfois. Et comme ça guérit. Et maintenant que vous vous trouvez dans cet espace d'ouverture envers vous-même, d'amour envers vous-même, de compassion envers vous-même, on va poser l'intention par un petit voyage au tambour d'aller dégommer, c'est le mot qui me vient, détruire et décréer tout ce qui vous empêche de vous aimer suffisamment pour vous autoriser la magie pour la recevoir. Quel intérêt y a-t-il à refuser d'être que vous soyez la magie et que vous la receviez dans votre vie? Tout ceci faut un dieu liard en détruire et décréer. Par ce voyage au tambour, posez l'intention d'aller chercher tout ce qui vous empêche. Je vais jouer après. Vous allez poser l'intention pour ce voyage au tambour d'aller chercher tout ce qui vous empêche de recevoir la magie et de la créer. Ok ? Dans cette vie, dans les autres du passé, on va détruire et décréer tout ça complètement fou en deux liards. Right, wrong, good and bad, pop, pod, online, shorts, boys and beyonds, on y va.
partir. Toutes les projections, attentes, jugements, séparations, rejets que vous avez de ce soin, de votre journée, de vous, de la magie, on détruit, on décrée et on y va. Thank you.
finirai là-dessus. On va détruire et décréer tous ensemble tout ce qui vous empêche de créer une journée magique aujourd'hui. Right, wrong, good and bad, pop and pop, on that. Sharks, boys and beyonds. Je regarde l'heure qu'il est. Ah, j'ai un rendez-vous maintenant. Je vous laisse avec tout ça. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires sous la vidéo. Et à la partager si elle vous a plu. Et je vous souhaite évidemment une journée magique.